La victime et match qui t'a fait ouvrir ta fer et nous en présent de match là. À qui sentiment présent de match là? Nous présent de match là pour nous demander de justice et pour nous demander et nous demander d'abat avec rabat pour taper les policiers dans les journalistes et nous même là pour nous travailler. Nous pressons la police, nous pressons pour sécuriser, pas pressé pour nous et pas même dans le cas, je sais que nous avons pris les gens pour nous avec la vie des policiers. Et qui l'a ou t'es touché par balle là? T'es touché par balle, c'est un avion, représentant de l'autre campagne, et vous allez venir moi. Et est-ce que c'est policier qui t'a tiré sous nous et qui machine et qui t'a tiré sous nous? Et voilà, oui, c'est policier, c'est policier, crème, qui t'a tiré sous nous, et voilà, et mais comment il fait des actions? Pas vraiment, manifestation, des actions négatives, et par rapport avec ça, il faut avoir Dès que les journalistes n'ont pas fait le travail, ils laissent toute la population ne pas informer. Et la police n'a pas la police le travail tout, nous ne pas empêcher la police de faire le travail. Et nous décider que la police ne fait pas le travail et que les journalistes la fait le travail. Donc, là nous disons en gros, nous demandons de justice, nous ne demandons pas de justice pour non seulement les journalistes qui tombent, mais nous demandons de toute justice pour ça qui continue à souffrir. Et en bas la police. C'est pour ça que nous finissons maintenant dans le match là. Donc nous ne travaillons pas, nous seulement dans la rue à la marche, nous demandons justice pour chaque jeune journaliste, en bas mes bandits, en bas mes policiers en nous. Merci. Edouard Fetner, nous ne connaissons pas la première manche et que et c'est Mel ou bien quelques organisations et dans le secteur presse là entamé. Et qui attend tout de match ici là? Donc attends-moi ça que nous voulons que la justice lui-même. Accepter tout ça que nous avons demandé et que la justice qui vient nous faire venir sur quatre dossiers maximum pour tous les journalistes qui sont victimes dans le quartier pour défavoriser. Où est-ce que Maxi et Ben Lazare, la jeune justice même, malgré la justice pays à genoux, même où est-ce que quand même, ça va prêter pour longtemps. Nous on dit aujourd'hui à Maxi Ben, j'ai des gens Vladimir et gagné à la jeune justice. Est-ce que le journaliste a apporté un impact négatif? Il faut un impact négatif sur moi, puisque moi-même, je suis journaliste, je travaille, et que c'est avec travail moi pour me donner mon maillot sur moi, c'est avec travail moi pour me capable vivre avec la famille. Dès que je ne suis pas capable de travailler, et comme je suis négatif, moins de problèmes. Et ou même toi, en tant que journaliste, comme ça, le jour où tu n'as pas capable de micro, ou en difficulté, parce que c'est avec micro pour là que l'autre monde est capable d'informer. C'est avec caméra pour là, l'autre monde a qu'à connaître qui s'est dans la rue. Donc, automatiquement, qui n'est pas qu'à travailler, ce n'est pas celle moi-même qui souffre, mais c'est la population en soi qui souffre parce que moi-même, je n'ai pas qu'à informer. Sur le dernier message, à quel point tu as gagné, c'est que point de vue, la justice en soi, il doit gagner monopole là, il doit gagner au moins en lumière pour connaître qui côté le doit commencer et qui côté le doit finir. Et moi-même, ma pour un message par la police. La police fait travail fort et que les journalistes lui-même la fait travail pas. Nous pas débarrassement, puisque la police a lui-même mis là pour protéger et servir. Nous-mêmes, nous faisons même quatre cavales à gagner. Seulement pas qu'il y ait 11 âmes, non, mais Sam nous c'est micro, donc c'est avec micro qu'on a gagné. Rappelez-nous, non, mais non, comme c'est Edouard Fetner, je travaille pour Terre d'Achille, Info sur Haïti. D'accord, merci. Nous sommes capables d'amener les populations à l'autre, nous sommes capables de porter une information.
Décourageant et l'aurait qu'on fait ou même ou à tomber le métier. On lit décourager le tout qui là parce que c'est une responsabilité qu'on a avec dans la vie et ça passe vraiment et triste. Mais nous allons décourager la continuer à gagner parce que nous allons gagner pour ça changer. Merci à vous, on va dire qu'on va aller. Par exemple, si nous prenons Brignol Lédor, Jean-Dominique, qui ont des batailles, pour Perfino, qui ont des mémoires, qui ont des batailles pour nous pas venir marcher, pour exercer ça, on a fait sur nous. Eh bien, nous disons que c'est assez, nous ne pas voulons marcher pour nous avoir assassiné. Nous ne pas voulons marcher, c'est le frère nous prendre une balle. Combien de frères nous là, qui touchent ça dans l'hôpital, qui touchent la taille de la capitale parce que prend balle, parce que le dépôt péché, c'est à couvrir au événement ouvrier à faire, réclamer les bonnes conditions de travail, les bonnes conditions de salaire, mes amis. Nous ne pas jouer là dans la rien. Sans signe tout qui montre la société. Lui a retourné dans la contrée, deux jours en jour dans le fait noir. Quand les journalistes journaliste qui a marché pour brutalité policière, sous journalistes contre la sécurité. Nous pas ouais, sous société. Qui n'en fait noir, société n'a pas évolué, j'en tout le monde qui a pensé. C'est ça qui mettait nous dehors, je dis en marche là. Merci. Et la police n'a pas d'accord avec lui, vous connaissez ça pour faire. C'est pas brutaliser, c'est pas tirer sur la police. Et nous là tout, pour nous dire, autorité, plus responsabilité, ça va se passer dans le pays. Journaliste là, il n'est pas seulement journaliste. C'est d'abord tout un citoyen qui est en société. Donc, en tant que tel, journaliste est victime d'insécurité, victime de tout ça qui a fait. Et c'est ça qui est expliqué présent sur la journée dans la rue. Pour nous dire la police, nous avons un sac de brutalité à faire lorsqu'on a besoin de nous. Pour nous dire le gouvernement, prend responsabilité par rapport à kidnapping, prend responsabilité par rapport à l'insécurité grandissante qui est dans le pays. Et c'est ça qui est expliqué présent sur la journée dans la rue. C'est la première image qui fait pour dénoncer brutalité policière qui a fait sur journaliste. Qui ça ou même en tant que ancien on pensait qu'il est capable de faire pour empêcher ça. Inspection générale, la police là, doit prendre responsabilité. Pour suspendre faire promesse, pour suspendre dire qu'il y a fait enquête. Jusqu'à ce jeudi à là, nous avons toujours les résultats autopsie qui t'a fait et ADN qui t'a fait sous le sort des jeunes de Vladimir Le Gagné dans ma fiction. Jusqu'à ce jeudi à là, nous avons les résultats enquête qui t'a mené sous étudier ou tué dans l'école normale. Jusqu'à ce jeudi à là, nous avons un ensemble de actes de brutalité sous journaliste et merci. Jusqu'à ce jeudi à là, nous avons un ensemble de résultats et que la police impliquée là-dedans et au regard de nous. Ni en même temps tout. Si nous disons nous faisons pile manifestation, nous ne faisons pas encore, eh bien nous perdons la bataille. Il faut que nous toujours été mobilisés. Il faut que les journalistes soient toujours été mobilisés, toujours été souterrains, marcher. Il faut que la population prenne responsabilité par rapport à ce qu'on fait par là. Et c'est ça que nous disons d'aller là. Ce n'est pas seulement au besoin de défendre que les journalistes, c'est au besoin de défendre que les citoyens qui prennent responsabilité par rapport à la situation pays à tout le monde.
la police se mette dehors pour dire que la police pas supposée pour des cagoules pour les opérations seulement dans les cagoules. Objectif machin, c'est pour nous capables d'arriver dans le niveau côté de tout maximum la zone. Et que je dis, nous ne pouvons pas rentrer dans la détention avec la police. Il y a des mesures que la direction générale la prend ou bien la direction générale lui prend. Mais ce n'est pas nous-mêmes qui nous faisons respecter. Nous avons dénoncé, mais que l'inspection générale ou la direction générale là pour nous faire respecter ensemble des mesures que nous prenons. Que ce soit cagoule là, ce n'est pas nous-mêmes journalistes qui avons mis des codes dans le coup et les policiers pour respecter. Mais l'essentiel, nous connaissons notre administrative que nous respectons. Même je dis là, nous n'avons pas qu'à vous, nous n'avons pas pour résistance là, c'est pour nous capables de vivre au niveau de route à aéroport, pour nous capables de déposer un jet de fleurs sous l'espace côté qui a été assassiné Maximilien Lazare. Et nous-mêmes, nous prenons de justice pour tous les journalistes qui sont victimes. Vladimir Gagnon, qui était Amadi, qui était Wilkins, qui était Némi Joseph, Mosquin Petion, qui était Maxime Nazar, nous demandons justice pour tout le monde. Et que aujourd'hui, nous allons aller, dans toute sérénité, nous allons arriver sur le pour nous déposer chef de fleurs là, pour nous capables d'immortaliser les jeunes garçons qui sont Maxime Nazar. On va aller, nous allons faire ensemble. On va aller, on va Je dis encore, nous prenons la rue et nous sommes capables de participer à la marche là et nous sommes capables de dénoncer les policiers ou les membres qui sont très brutales envers les journalistes ces derniers jours. Et dis-nous, est-ce que ça n'a pas eu un impact négatif sur vous, lors que le confrère a tombé à la main des policiers ou à la main des Non, il n'y a pas eu un impact sur moi. Ça fait pas un impact parce que les policiers et les journalistes nous ont condamnés pour nous faire ça. Les familles, nous avons fait le même travail et nous avons la même cause. Et n'a pas de policiers, nous sommes capables de tempérer, nous sommes capables de modérer la façon qu'il a agi. Si vous avez un message, vous avez Population, nous dans la rue aujourd'hui pour demander justice, nous disons non à la brutalité policière, la police qui jusqu'à date, après notre sortie, qui continue de mettre des cagoules, et que nous ne connaissons pas, nous ne connaissons pas, c'est des faux policiers, pour tout le monde, nous-mêmes nous dans la rue aujourd'hui là, pour demander justice pour Maxime Nazar, pour que qui était assassiné dans quatre mouvements ouvriers au tapé, hier 22 février 2021. Et l'autre des journalistes a mouru dans mes bandits et dans mes policiers, est-ce que ça n'a pas porté un impact négatif là, Kayou, en tant que journaliste? Non, ça n'a pas porté aucun impact parce que mission nous c'est ça, aller chercher information à côté de l'IKGA. Nous-mêmes, nous c'est nous qui la qui à risque dans la société, c'est à chercher information en balle, cartouche, graine, gaz, en bas même bandits, en bas même la police, ainsi que. C'est mission nous, c'est travail nous, c'est tout ça nous là. Ça n'a pas prêté rien là, Kayou, c'est au contraire, il mettait plus motivation. Parce que sans nous-mêmes, pas des pays, sans nous-mêmes, pas des populations. C'est nous-mêmes qui voulons des populations informées, nous c'est garder la liberté. C'est pour nous capables de vivre liberté d'expression, vivre liberté de la presse, vivre un bon fonctionnement de la presse haïtienne, vivre tout le monde qui a pratiqué le métier de la presse et vivre juste le métier de la presse. Merci. Allô, allô.
Nous allons crier. Nous allons crier. Même si on crie dans la dame. Maxi, Maxi Ben, et bien après. Maxi Ben Lazare. Voilà le don.